nani wa mshahara kaimungwa tukajitoa yeye bele jibele kutoa leo bele jibele nokutoka kwenye mashini vita kaya ni mikwata nokusato mikwata tisama cha bele jibele bwana kwa jilu kuso muka kabe ni mapinga cha kabidu kwa mtu oh jibele ni jika sajaji tua ni mustaman kwa ina province di Kasai Central bika na kuma kasas am abiji tangira yimu kwa mtu wabe Quand
Concerné pour Mario Po. Tu es du coup,
Ressortissant de Dimbelenge Miredi. Déclaration politique. À son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Excellence, nous, fils et filles de la communauté de Dimbelenge, réunis ce jour au sein de la mutuelle de ressortissants de Dimbelenge Miredi, manifestons notre protestation contre les pétitions lucratives initiées par un groupe de députés provinciaux du Kasaï central, déterminés non seulement
a déstabilisé les institutions provinciales du Kasaï central, mais aussi a créé l'insécurité dans une province post-conflit contre votre gré. Alors que vous faites de la stabilité des institutions provinciales les nez de vos préoccupations. De ce fait, condamnons avec la toute dernière énergie cette pratique de pétition inopportune tendant non seulement à créer la crise au sein de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, mais surtout à freiner son développement. À travers ces lignes, mettons en garde tous les auteurs moraux et matériels pétitionnaires et les invitons à l'éthique politique, à la passion de la province du Kasaï central, notre patrimoine, et au respect de la configuration actuelle de la composition des institutions politiques de notre province qui répond non seulement au principe de la représentativité, mais aussi à celui de géopolitique par ces trois tendances provinciales, à savoir Lulua, Unité Kasaïenne et Dimbelenge ex-Lomami que nous représentons. Au demeurant, saluons la vigilance de Madame la vice-ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Son Excellence Eugénie Tshiela Kamba, qui par ses tacs politiques, contenus dans son message Telegram numéro 25-CAB/VPM du 17 octobre 2024, a sauvegardé non seulement la stabilité des institutions provinciales de la province du Kasaï central, mais aussi la sécurité de cette dernière. De tout ce qui précède, Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, vous demandons, en tant que garant constitutionnel des bons fonctionnements des institutions de la République démocratique du Congo, d'avoir un regard particulier sur la province du Kasaï central, votre base électorale primaire, en vue de barrer la route à tous les tireurs de ficelles contre son développement. Encore une fois, nous disons non à la déstabilisation des institutions provinciales de la province du Kasaï central, non à tous les auteurs moraux et matériels de l'insécurité de la province du Kasaï central. Que Dieu bénisse la province du Kasaï central et ses institutions. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Fait à Kananga, le 23 octobre 2024, pour la Mérédie, signé le président Albert Bakatoubala, le rapporteur Maître Daniel Makolo Kanku. Ok, tu finis là, il y a bien tout va fondre.